Manuela Galtier, la championne d'Europe junior du saut en longueur sortante. Manuela qui fait partie de cette génération avec Elodie Le Sueur dont on attendait beaucoup, qui elle aussi a eu quelques soucis d'ailleurs. C'était les deux copines, Manuela Galtier et Elodie Le Sueur, qui avaient commencé à Noisy-le-Grand et qui s'étaient révélées. Et puis évidemment les trajectoires se sont un peu séparées. Elodie Le Sueur a atterri à plus de 6,80 m alors que Manuela est restée un petit peu en deçà, mais elle ne demande qu'à redécoller, cette jeune femme. Voilà, elle s'entraîne dorénavant avec Stéphane Caristan, qui se prend la tête à la suite de cet essai mordu de peau dans les mains et qui lui donne des consignes pour ne pas remordre au prochain saut. Manuela qui était donc, comme Héloïse Le Sueur, une cadette prodige, qui était également une très bonne spécialiste de 100 mètres haies, qui se spécialise dorénavant dans le saut en longueur, qui a déjà sauté plus de 6,60 m et dont on attend beaucoup pour les années à venir. S'allonge tout doucement vers les séries du 200 mètres. On s'intéressera à ce sprint féminin qui promet toujours beaucoup. Mais c'est vrai qu'on a quand même quelques soucis avec notre sprint féminin depuis quelques saisons. Donc les championnats de France en salle sont justement une revue d'effectifs importante où on commence à regarder qui arrive parmi les jeunes. Et est-ce que justement les championnats de France des jeunes qui ont eu lieu il y a à peine une semaine du côté de l'Institut National des Sports dans le Bois de Vincennes à Paris ont donné, un peu fin sur ce qui va se passer cet été? Est-ce qu'on a quelques jeunes qu'on va retrouver rapidement dans ces équipes de France? On a eu essentiellement un 60 mètres haies chez les espoirs garçons extraordinaire, puisqu'il y avait dans cette course Garfield Darien, qui est actuellement le sixième performeur européen senior, Samuel Cocovillouin, qui avait terminé 14e des Jeux Olympiques. Il y avait également Dimitri Bascou qui avait terminé 2e des championnats de France. Et nous avons dans ces spécialités une très très forte densité. Il y a également le sauteur en hauteur Abdoulaye Diarra, qui a réalisé 16m39 au triple saut à l'occasion de ces championnats de France des jeunes, qui sont traditionnellement une revue d'effectifs. On a pu noter également l'émergence d'un jeune cadet surdoué en sprint qui a réalisé 6 secondes 80 centièmes, qui lui aurait donné la quatrième place de ces championnats de France seniors, et sur qui on compte pour les années à venir dans le sprint. Mais les cadets prodiges ne font pas toujours des très bons seniors et on attendra donc qu'ils confirment. Mais en tout état de cause, c'est un des plus gros talents de sprint qu'on ait vu percer ces dernières années, alors que au saut en longueur, Emma Gomis, la Normande, vient de sauter et se prépare à sauter. Laura Noss, une jeune athlète qui a déjà réalisé plus de 6,40 m, qui avait terminé finaliste des championnats d'Europe Espoir il y a 2 ans. Un petit point sur ce concours du saut en longueur, alors que du côté du saut en hauteur, on en a encore, je l'espère, pour un petit moment, puisque la barre vient de passer à 2,18 m et que tous les favoris sont encore en course. Du côté de la longueur, on a toujours Mademoiselle Kesseli en tête avec 6,41 m, qui ne semble pas, pour l'instant en tout cas, en mesure d'être rejoint par Marie Colombillé, 6,27 m, qui est à la deuxième place. Et toujours Narayan Dosevi en troisième position, 6,24 m, alors que Mademoiselle Ossé ne réalisera pas une meilleure performance sur ce cinquième essai, puisqu'elle vient de mordre. Donc pour vous, et bien tout simplement elle a dépassé la plasticine, c'est-à-dire la partie bleue en dehors de la planche, et que ça, et ben on n'a pas le droit. Alors que nous allons nous retrouver en compagnie de la jeune femme qui a remporté le 60 mètres haies tout à l'heure, pas la surprise générale, parce que c'est vrai que c'était attendu. On avait annoncé championne de France avec ce saut à 4,41 m réalisé dès le début du concours. 6,41 m, Maryse, qui pulvérise son record personnel. J'ai dit 7 mètres. T'as dit 4,41 m. Ah oui, 4,41 m, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. 6,41 m devant Marie Colombillé, l'heptathlète très expérimentée qui réalise 6,27 m et qui prend donc la deuxième place de ce concours. Et à la troisième place, ça n'a pas bougé, Narayan Dosevi, 6,24 m, alors que pendant ce temps, deuxième essai raté à 2,28 m au concours du saut en hauteur. Et